Soyez bénis, mes sœurs. Je viens encore une fois de plus aujourd'hui pour vous avertir, mes sœurs, que vraiment, ces vêtements étrangers que vous mettez sur vous, par exemple, les ongles, les faux ongles, je viens pour vous avertir, mes sœurs, jetez tous les faux ongles que vous mettez sur vous. Tous ces faux ongles que vous mettez sur vous. Le diable ne veut pas que vous soyez vraiment, vous représentez l'image de Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi il vient avec des idées mondaines. Avant, les femmes chrétiennes ne copiaient pas ça. Ça commençait, ces gens entrent à l'église. Les enfants de Dieu copient toutes ces choses. Tu vois une soeur qui part au marché. Elle part au marché, elle achète les produits pour peindre les ongles. Tout ça, c'est des choses mondaines, ma soeur. Je vous en prie, jetez tous ces produits-là, ces bagages démoniaques. Jetez ça. Ces produits sataniques, les faux ongles, les vernis, tout ça, pourquoi? Une soeur veut que quand elle sort, elle s'assoit comme ça, on regarde les ongles. Souvent, elles font comme ça. Ma soeur, elle te salue bien comme ça, ma soeur, c'est comment? Elle fait comme ça. Pour que tu regardes comment elle a mis le vernis. Ne crois pas qu'en faisant ça, tu es en train de prendre soin de toi, ma soeur. Tu es en train de détruire, tu es en train de souiller le temple du Saint-Esprit. Tu représentes l'image de la femme païenne en faisant tout ça. Dieu va la meilleure couleur que Dieu t'a donnée. Voilà ça. Donc, quand tu veux entretenir, découpe-les. Il ne faut pas laisser ça long. Les femmes, c'est les démons qui gardent ça. Ils gardent tu vois comment, quand on était dans le monde, on faisait les rêves bizarres. Tu vois un démon en train de te poursuivre comme ça avec les longs ongles. Tu n'es pas un démon, ma soeur, pour garder les ongles. Coupe tes ongles, tu laisses ça propre. Tu nettoies ta main, tu laisses ça propre comme ça. Que d'aller garder les ongles. Tu prends les vernis, tu n'es pas devenue une sorcière ou bien un démon. Donc, ma soeur, vraiment, le Seigneur m'envoie pour t'avertir aujourd'hui. Rejette toutes ces choses-là. Jette-les dans la poubelle. S'il y a moyen, même avant de jeter, si tu vois que tu es trop attiré, prends l'eau. Prends même l'eau de Javel, verse dedans et puis tu tournes, tu verses dans la douche. Et tu prends la bouteille, tu jettes dans la poubelle. C'est comme ça. Le Seigneur va te délivrer, ma soeur. Et quand tu fais ça, ne regarde pas les autres soeurs qui font ça. Le Seigneur veut qu'on soit vraiment saint. Garde ton corps sain. Comme tu es sain à l'intérieur, ton corps, toutes ces trois parties-là, le corps, l'âme et l'esprit doivent être sains. C'est impossible que le corps est sain, l'âme est sain, le Saint-Esprit, le cœur est sain, l'âme est sain, l'esprit est sain, mais le corps ressemble au corps d'une prostituée. Non, ma soeur, le Seigneur m'envoie pour t'avertir. Ne rejette pas ce message. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.